Salut le monde des douze, c'est Shirani et aujourd'hui on va parler d'une feature un peu délaissée par les joueurs. En effet, vous connaissez les compagnons? Ce sont des alliés aux caractéristiques spécifiques qui peuvent servir de personnages supplémentaires dans votre équipe. Oui, un peu comme le système de héros sur les comptes sous booster. Pourtant, à l'époque, il n'était pas autant mis à l'écart par les joueurs qu'aujourd'hui, car il fut une période où le booster avec le système de héros était pas autant abordable qu'aujourd'hui. Il était donc de ce fait beaucoup plus fréquent et trivial de ne pas jouer en multicompte, et par ce biais, les compagnons étaient tout de suite une option intéressante pour faciliter son aventure sur le jeu. Malgré les petits désavantages que ça apporte en ce qui concerne XP, leur obtention ou j'en passe. Mais à ce qu'il paraît, sur Dofus, s'ils ont vu renaître un gain d'intérêt sur leur système de compagnons à eux, et ça m'a donné envie de jeter un dernier coup d'œil sur nos compagnons disponibles à nous sur Wakfu pour voir si, par hasard, nous ne serions pas passés à côté de compagnons qui vaut le coup de les intégrer dans notre team, pour une quelconque raison qui vous appartiendrait, ou tout simplement pour le fun de pouvoir classer un compagnon dans le ladder donjon. Bref, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 4 meilleurs compagnons que je vous ai dégotés pour votre équipe. Alors oui, dans le titre c'est écrit que c'est un top 4, mais en vrai, c'en est pas vraiment un. Disons que je vous présente dans l'ordre des persos qui font le moins de choses à celles qui font le plus de choses en même temps, mais en soi, elles ont tous un rôle différent les uns des autres. Bref, commençons par parler de notre premier compagnon. Le Korbax est un compagnon de la première série de compagnons Multiman sortis au début de la Features. Cette série de compagnons ont tous une particularité, ils sont tous basés sur un seul élément et ont tous des gameplays basés sur un rôle. Avec Korbax, ce n'est donc pas ses dégâts qui nous intéressent, et ça ne sera d'ailleurs jamais le cas pour tous les compagnons que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est bien ce que Korbax est capable de faire au-delà de ses dégâts qui nous intéressent. Korbax est un excellent placeur qui fera limite pâlir de jalousie la dislocation du Zobal avec son sort cyclone qui vous permettra de transpositionner une cible et même de donner le dos des ennemis placés si bien utilisés pour seulement 3 PA. Korbax peut aussi bien évidemment pousser à tirer avec des sorts comme Zephyr et Sirocco pour plus d'options de placement, mais en plus avec le sort Alizé, il est capable de donner des PM à un allié pour faciliter le déplacement de ses alliés. Bref, un compagnon parfait pour tous les DPT zones qui ont besoin de placement. Je vous conseille d'ailleurs de l'équiper avec des items plutôt axés pour les tanks. Le Protoflex, c'est le compagnon tank de cette vidéo. Il fait partie de la deuxième vague de compagnons bi-éléments comme le Crossmoglobe ou le Fourbe. Protoflex tire son épingle du jeu par sa capacité à pouvoir protéger ses alliés à la manière d'un sacrifice du sacrieur avec le sort Garde du Corps. Mais au lieu de transpositionner, le Protoflex va pousser l'allié et prendre les dégâts à sa place, ce qui permet de ne pas trop compromettre un placement particulier. Mais ce n'est pas tout, le Protoflex peut aussi aider ses alliés avec des dons de shield, des baisses de résistance sur les ennemis, du détacle, du don de résistance en urgence, et il est même capable de replacer des alliés avec la projection, voire même faire des dons de PA avec son passif. Attention cependant, il est assez dur à utiliser, mais si vous tenez le bon bout, il peut être un compagnon de choix. Je vous conseille là aussi de l'équiper avec du stuff plutôt axé tanking. Quand on pense à un compagnon qui puisse être un support ultra optimal, on ne pense pas forcément à lui en particulier, et pourtant il est simple à utiliser et n'est pas moins performant. Squall est comme le Korbax un compagnon de la première série des Multiman, mais celui-ci est beaucoup plus pensé autour du support. Et c'est pas peu dire car il possède des sorts qui rendraient jaloux beaucoup de supports du jeu. D'abord, son passif naturel sans de cré à l'amour va automatiquement donner un boost de dégâts à ses alliés, mais ce n'est pas tout ce que le Squall peut faire. Il peut aussi donner de la portée avec un peu de maîtrise avec vent marin, faire du retrait PA avec coup glacé, apporter du détacle avec mouvement fluide, offrir des PM et de la résistance une fois par tour avec apaisement, et surtout, le plus fort de tout ça, il peut transmettre 2 PA à un allié avec hydrocélérité. Rien que pour le don de PA, Squall devient sans conteste l'un des compagnons les plus utiles. Je vous conseille de l'équiper avec du stuff tank pour la sécurité, mais si vous voulez un peu de dégâts résiduels supplémentaires, vous pouvez mettre un peu de mono-cible dans le stuff. Hippolyre est le dernier des compagnons qui a été intégré en jeu et s'il est le plus couramment vu jouer, ce n'est pas pour rien. C'est un support qui va booster la team dans tous les sens possibles et notamment les dommages infligés à des valeurs totalement ridicules. Hippolyre possède un système de sorts appelé les mélodies qu'il va falloir maîtriser le mieux possible afin d'avoir des boosts de dommages supplémentaires totalement scandaleux pouvant aller à des combos pouvant donner des boosts de dommages allant jusqu'à 52%.
Hippolyre peut aussi aider ses alliés support en améliorant leur capacité à mettre du shield, des bonus de résistance et même du soin en cas d'urgence, pouvoir placer et même pouvoir ressusciter un allié. Bref, Hippolyre sait faire extrêmement de choses, car c'est dans son concept même de se scale par rapport aux DPT et support de votre équipe. Hippolyre est un compagnon très très dur à utiliser, mais si vous le maîtrisez, il sera dévastateur. Et si vous voulez un petit guide sur comment le jouer, je vous ai mis le lien d'un petit post forum explicatif dans les descriptions. Il est en anglais, mais il est très bien détaillé. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors je sais bien que les compagnons ne sont plus aussi performants ou intéressants qu'avant, mais j'espère vous avoir donné envie de tester certains d'entre eux, et qui sait, peut-être qu'un jour on aura le grand retour des compagnons avec un buff général de 7 features. Bon, je rêve un peu, mais laissez-moi rêver quand même. Bref, si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rater des futures vidéos. J'ai aussi repris les lives matinaux sur Twitch où je continue mon aventure 2-0, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous êtes un lefto. Et aussi, il y a le TikTok, le Discord, tout est dans la description. C'était Shiranui, à bientôt pour des futures vidéos. Allez, bisous bisous.